worried about you. Are you okay? Yeah, I guess. This stupid bus broke down, but I fixed it. Hey, Roslyn. Nice meeting you up close. How did you fix the bus, Roslyn? Just last week, you had to take your car to the shop because you didn't know cars needed oil. How could you know how to... Roslyn, where are we going? Roslyn? Hey. You're great! Salut tout le monde, bienvenue pour l'épisode 7 de Lollipop Chainsaw et aujourd'hui, combat de boss. Oh oui. Donc, Rosalind n'est pas Rosalind. Step outside the boundaries of your mind. Lose yourself in the eternal collective unconscious. And rot. Listen, lady, why don't you try using some deodorant? Because honestly, you smell like shit. This one was just as insolent. Rosalind! Now, open your heart. And let my music guide you. Into the world of everlasting peace. And rot. And hell. Flow on, child, Blaster. Into the rush of chaos and dark. Hey, watch out. Okay, Mariska, the game is on. Est-ce que tu balances vraiment des bulles? Son arme, ce sont des bulles? Oui, ses armes sont des bulles pour l'instant. Ok, ça va comme bataille de boss, hein. Mais attention, ce sont les bulles d'un zombie démoniaque au pouvoir surnaturel. Allez. Tu parles beaucoup, je trouve, Mariska. Qu'est-ce qui se passe? Oh, la vilaine. Oh, c'était rapide. Ça, c'était la première phase. C'était facile. There's like four of her. Is this for real? What the hell? Ça déchire, littéralement pour le coup. Oups là, attention. Alors là, ça va être un petit peu choix à gérer. Alors l'astuce, c'est de toujours se déplacer pour récupérer des munitions. Hein, parce que si on est à court de munitions, vous le voyez, on est mal barré. Oups. Attention. Ouais, qu'on se fasse pas moissonner
Comme ces pauvres zombies qu'on a moissonnés l'autre fois. Bah probablement dans les deux derniers épisodes, tout simplement. Donc méditons mes amis. Une vérité devient deux, deux vérités deviennent quatre. Blablabla, blablabla. Bla. Citation de Mariska, zombie hippie défoncé. Et qui fait des bubules. Des bubules. D'ailleurs, elle a emprisonné cette pauvre Rosalind dans une bulle. Une bulle démoniaque. Tout est démoniaque chez cette femme. Parce que c'est un zombie, justement. On ne peut pas faire confiance aux zombies. Tout ce qu'ils pensent à faire, c'est bouffer. Ils sont pas sérieux, ces zombies. Est-ce que les bulles font beaucoup de dégâts? Parce que j'ai pas l'impression. Hein. Ou alors j'esquive tout par chance. C'est bon? C'est bon. Hey! Cool. Yeah, c'est pratique pour se déplacer, ça. Allez! On la découpe encore en deux. Je me pose à peu près la même question, Nick. Ouais. Tu fais bien de poser la question. Oh là là, tout cela est très psychédélique. Bon bah... Là, il n'y a pas de secret. On ramasse des munitions. On tourne. Et on tire au gun. J'aime bien ce boss. C'est certainement pas le plus dur. Mais je trouve qu'au niveau au niveau visuel, c'est quand même assez cool. J'avoue que c'est l'un de mes boss préférés. Mais par contre, l'un de mes niveaux préférés, peut-être mon niveau préféré, c'est le suivant, hein, niveau 4. Vous allez voir, l'univers est un univers qui me parle bien, enfin qui nous parle bien en général. Et même les petites séquences, autres que les séquences gameplay classiques, hein, c'est assez sympathique. Ah oui, les papillons, ça c'est casse-pied. Donc les papillons qui sont faits en même matière que les bubules. Attention, qu'est-ce que c'est que ça? Ok. Tout ceci est parfaitement normal. Tout ceci est parfaitement normal. Alors, est-ce que je prends le problème? Ouais, voilà, d'accord. J'ai mal pris le problème. J'ai cru qu'il fallait fuir les flammes, enfin les projecteurs de la fusée, alors que je devais sauter par-dessus les flammes. Alors, est-ce que les papillons, je peux les empêcher de m'attraper? Non, d'accord. Faut juste sautiller pour éviter que les papillons nous attrapent. Ok. Alors, juste par sécurité, on va se soigner. Allez. Je me souviens pas de ça, par contre. J'ai l'impression que c'est... une petite spécificité du niveau difficile. J'ai l'impression effectivement que les boss ont certaines attaques qu'ils n'ont pas au niveau normal. Hein. Ou alors c'est moi qui ai une très mauvaise mémoire. Allez, on se dépêche. Et on te découpe. Une réalité devient deux, deux vérités deviennent quatre. Et un zombie devient zéro parce qu'il est mort. Ouais, ça fait splatch et tout, on adore ça. Choke on your Birkenstocks, you psilocybin munching moron. Heavy. Peace out. Way out.
We've been here the whole time. Rosalind? She's not here. Hey there, Juliet. Are you ready to boogie-woogie? Who is this? The one you ain't gonna level up on. Why are you pretending to be Stephen Hawking? I got the freaky little super freak right here. Get your hands off of me, you zombie pedo! Juliet, don't worry about me, I... If you want your sister back, baby, you need to win a game with me. Make your way to the Fawlty Fun Center. I can't wait to party with your crew like it's 1983. It's a trap, Juliet. We can't just rush in there alone. We don't have any other choice, Nick. Who's gonna help us? Hey, baby. Daddy! Mr. Starling? Ouais, papa à la rescousse. Attendez, le boss du niveau 4 veut jouer avec le cadavre de Juliet. Ew. C'est dégueu. Et qui sait ce qu'il veut faire à sa sœur? Non, il faut la sauver. Bon. Très bon score. Encore un A. Et ça, c'est cool. Bon, encore une fois, ce qui me rapporte aucun point, c'est le temps que j'ai mis à faire le chapitre. Et encore 45 minutes et 16 secondes, c'est pas si énorme par rapport aux autres temps. Je crois que papa a fini le chapitre peut-être en un peu plus de 30 minutes, genre 36, non ? Je voudrais voir quand même, hein, pour être sûr de pas dire de bêtises. Alors rassurez-vous, l'épisode va continuer. En même temps, vous avez vu la durée de la vidéo avant de cliquer dessus. Donc oui, niveau 3, voilà, papa fait 36 minutes 31. J'ai mis moins de 10 minutes en plus. Voilà. Alors après, au niveau du score, j'ai pas fait un score si extraordinaire que ça. J'ai juste battu Rosalind. Et même au niveau de la boucherie Strass, j'ai fait moins bien que Rosalind. Et au niveau des médailles, j'ai fait mieux. Bon, ok. Médaille platine, j'ai fait moins bien que tout le monde. Là oui, c'est lié au Strass aussi. Hein. C'est lié aux boucheries Strass. Ok. Donc, c'est pas mauvais, mais c'est pas non plus génialissime. J'ai pas de quoi me vanter. Alors, le niveau 4 est pas hyper long. Donc peut-être qu'on va pas faire ce let's play en 12 épisodes, mais en 11, hein, si j'avance suffisamment bien le niveau dans cet épisode-là. Donc on va voir, mais en tout cas, tranquillement, on va commencer le niveau 4. Oui, je veux commencer. L'un des niveaux... peut-être les plus courts, mais les plus cool. Il y a un petit passage qui m'a posé des problèmes lorsque j'ai fini le jeu la première fois. Et c'était niveau normal, hein, donc niveau difficile, ce sera peut-être encore plus chaud. I'm worried about Rosalind. Hell, that girl knows trouble like apple knows pie. Excuse me. Boy, you be careful now about where you're touching my daughter. Oh, I'm sorry, We gotta be careful. This Rosalind situation, so she don't get hurt. So, I guess the two of you haven't been formally introduced. Dad, this is... Nick, I know. You told me all about it. Failed to mention the, disability. It's kind of a new thing, sir. You seem like a fine person. But whatever dude Juliet ends up with is gonna be part of the family business. What are you gonna do? Throw magic stars at chupacabras with your tongue? Maybe, Dad. Nick's tongue is very limber. And how do you know that? She doesn't. She doesn't know that at all, sir. She has no idea if my tongue is limber. We're here. What the hell kind of place is this? It's the Fulci Fun Center, Dad, where all the kids from San Romero hang out after school. Look at this. I'll head into the building at the entrance, all right? Daddy, you go around and sneak in from the back.
I'll act as a decoy, drawing all the zombies' attention towards me, while you go up to the roof where Rosalind should be. Juliet, you just made yourself a decoy. Dad, what's wrong? My little girl is a tactical genius. Your mom and me got a little something for your special day. Happy birthday, baby. Thanks, Daddy. All right, I'm off. Good luck, sir. You're gonna do awesome, I'm sure of it. Stop sucking up, son. And don't think I forgot that tongue stuff, neither. You best watch what you do with my little girl when you're hiding in the shadows. Yes, sir. Okay, sir. I think he really liked you. I can't wait to thank them in person. Nick Shoot. I want to play games 24/7. Hit the button faster. I need to level up. Pardon, téléphone. Oui, cette histoire de langue, hein, c'est bien pour les bisous hein, qu'elle faisait allusion. Non? L'innocence. Ah, purée. Bon, tu as vu ton... Est-ce que c'est... Ouais, ça doit être ça, je pense, le nouveau message. Hey, Juliet, it's Mom. Have you seen your father? I don't want to be a worrywart, but he was supposed to call an hour ago and hasn't. Oh, il est avec nous. On doit faire quelque chose. Elle ne sait pas que Rosalind est en danger. Et ouais. Allez. Juste, j'ai un petit truc à regarder, il y a un combo que j'ai acheté il y a 2 épisodes de cela, je crois, et je ne l'ai jamais utilisé. Donc ça doit être, c'était YYX, voilà, c'est ça. Une puissante attaque perçante infligeant des dégâts continus aux zombies, voilà, c'est ça que je voudrais voir. Alors ça, c'est le tronçonnage bas, ok. Ça me permet de revoir ça, lui je l'utilise beaucoup. Lui j'utilise un petit peu aussi pour couper les jambes. Ça, oui, je connais, ça, je connais, oui, ça, c'est bon, pas de problème, pas de problème. Tronçonnaire, yep, 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 ok, tout va bien. Donc, juste, oui, tire Nick, lance Nick pour étourdir les zombies, ouais, très bien. Un zombie geek zombieing out killing zombies in video games. If we kill them, it'll be totally meta. Ce combo est trop cool, il faut le tester tout de suite. Waouh, 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 attention, qu'est-ce qui se passe? Je vais arrêter avec ce ciblage, c'est un petit peu dérangeant. Voilà, on découpe les jambes. Attention, qu'est-ce qui se passe? Oh, des cocktails Molotov, ok. Ok, bien joué, tu sais esquiver, bien joué zombie, bien joué, mais moi aussi je sais esquiver. Bon, j'arrive pas à faire ce que j'ai envie de faire, donc on va juste... t'étourdir et te décapiter. We better help this dude before his game is over. Ouais, on va l'aider, pas de panique. On va leur couper les jambes déjà. Ça va leur passer l'envie d'attaquer ce pauvre jeune homme. On va surtout les étourdir, je pense. Hein. Voilà, on les éloigne de ce pauvre malheureux qui n'a rien demandé à personne. Voilà, mourez s'il vous plaît. On a le gun. C'est bon. On le découpe et il y en a encore un derrière. Où est-ce qu'il est? Oh, il bouge pas. Elle bouge pas.
Hop, trop aimable. Quoi, elle veut pas se faire découper? Moi je dis que si. Moi je dis qu'elle veut se faire découper. Bon mais... Donne-moi mon pognon. Ok. Alors, j'ai des plantes à tuer. Non, pas ce genre de plantes apparemment. Voilà. Ah, les tables rapportent des médailles. On va essayer de faire ça le plus rapidement possible pour pas perdre de temps sur le chrono. Bon, c'est pas un objectif absolu pour moi, hein, vous le savez. Oh, et j'ai bien fait de traîner dans le coin parce que je vois quelque chose qui me plaît bien. Yum yum. Mais alors du coup, il y a une plante qui me résiste, c'est ça? Ah bah voilà. Je savais bien et je crois que j'en ai vu une autre. Genre par là, ouais, ici. Nickel. Parfait. Parce que c'est important les médailles. Parce qu'on a plein de combos qu'on n'a pas encore. Wow, things just got all Commodore 64 on us. Uh-oh, I think it thinks we're blue ghosts. Eh oui, on va jouer à Pac-Man. Are you ready? Start. Trouver toutes les clés du labyrinthe, utiliser les étoiles contre blablabla. Let's go. I guess the one thing I don't have to worry about is callous thumbs. Je sais pas si je peux les tuer, j'ai jamais essayé, c'est vrai. J'ai jamais essayé, je me suis jamais fait attraper quand j'ai fait ma première partie. Donc, on va poursuivre sur cette voie-là quand même. Donc j'ai juste une clé à choper. Il y a juste une bouboule qui me poursuit. Ça a pas l'air trop compliqué. Donc lock, oui d'accord. Non, par contre j'ai déjà oublié où était la clé. Ah oui d'accord, oui, c'est tout simple en fait. Ouais, c'est moins simple tout d'un coup. Sacré Nick, t'es un farceur, hein. Bien sûr, on le savait déjà. Donc on a plein de clés à récupérer. Tout va bien, on ne panique pas. Dans le pire des cas... Ah oui, non, d'accord. Ah oui, d'accord. Mais j'ai jamais utilisé ça. Ah, j'ai jamais utilisé ça, mais c'est trop cool, en fait. Ah, c'est gratuit. Mais c'est gratuit. Juliette, can I ask you something sort of sensitive? Oh, yes, Nick. My face is stuck in your butt. Can you move it a little? Oh. Ah mais j'ai jamais utilisé ça, donc c'est trop cool. Et c'est aux quatre coins du labyrinthe, ça? Ah mais ça rend le truc vachement plus simple, en fait. Hé, mon mignon, viens ici. Regarde. Intrusion, intrusion, intrusion. Allez, découpage. Eh ouais, il avait pas de tronçonneuse, Pac-Man, hein. C'est pour ça que Juliette est plus cool. Voilà. Bon, cela dit, moi, quand j'ai fait ma première partie, j'ai joué le jeu, hein. J'ai fait comme si j'avais pas d'étoile. Mince. Oui, d'accord, je voulais voir s'il y avait une autre étoile. Ouais. Bizarrement, tu fais moins le fier, hein.
Mais c'est trop tard, tu meurs. Yeah, j'en masse tout ça. J'adore cette musique. Et voilà. Comme ça, je pourrais faire une boucherie strass contre des zombies. Ah, les jeux vidéo. Attendez, on joue à un jeu vidéo dans un jeu vidéo. Waouh. Yeah. Eh oui, niveau suivant. Et ça va être quasiment comme ça. Enfin, ça va être comme ça quasiment tout le niveau, quoi. Enfin, du coup, ça va être un thème récurrent, ça. Now seems like the perfect time to take a shopping break. On est d'accord. Toujours regarder derrière. En plus, il y a des poubelles, c'est tellement gratuit. Oh là là. Et du coup, ouais, tuer les Pac-Man démoniaques, ça rapporte des sous aussi. C'est cool. Donc 369 médailles zombies. Attends. Hop. Dis donc. Tu te calmes. Ouais, les cocktails Molotov, ça va. Mince, c'est pas tout ça que je voulais faire. Attention. Je fais n'importe quoi. Et on se calme avec les cocktails, monsieur. On va mourir gentiment. Vous aussi. Ah non, mince. Allez, découpage. Voilà. C'est propre. Comme ça, je récupère des médailles avant de faire un petit peu de shopping. Quoique, si je tue tous les zombies de cette vague, peut-être qu'il y en aura une autre derrière, donc... je vais peut-être d'abord nettoyer la salle. De toute façon, on a le choix d'avancer ou pas, généralement. Donc, je préfère nettoyer la salle, faire le shopping après. Ça me paraît plus raisonnable. Parce que si ça se trouve, je vais voir des trucs qui vont me plaire. Et je vais dire, ah bah c'est dommage, j'ai pas assez. Et dépenser mes sous sur autre chose. Pour autre chose, pardon. Et du coup, je gaspillerai mes sous. Ouais, let's do this thing. Totally, yeah. My triceps are getting a total workout swinging this chainsaw around. Are you just rubbing in that I don't have triceps? Oh, désolé Nick, c'était pas contre toi. Hein? Olé! On ne se fait plus surprendre maintenant. Ok, donc on aura juste une voie dégagée. Donc je peux ramasser un max de fric. Qu'on ne dépensera pas dans les bornes d'arcade. On va simplement faire du shopping. Parce qu'on aime ça. Eh ouais. Si je dégage la voie, est-ce que ça me contraint? Non, ça me contraint pas à continuer. Bon, par contre, je vois un truc qui me plaît bien. On va continuer un petit peu. Nick en pom-pom girl. Meurs, petit zombie. Voilà, merci. Voilà. Hey, c'est cool là-haut. Il y a une belle vue. Et une amie de plus sur Facebook. Une. Death metal is for pussies. Non, on n'est pas tous d'accord sur ça. Enfin bref. C'est pas le débat. Est-ce qu'on danse? Non.
Ah non, d'accord, je vois. Je me suis totalement fait avoir. Je pensais que qu'il y avait un moyen de dégager le passage, de d'avoir une... Enfin, je pensais qu'on allait dégager les bornes qui bloquaient le passage. Mais en fait, non, on a fait le tour. Et du coup, je ne peux plus acheter mes améliorations si chères à mes yeux. Mais c'est cruel. Bon, bah, moi, j'aurais économisé, hein. Comme ça, j'aurai plein d'améliorations pour la prochaine fois. Oh, la déception, quoi. J'ai oublié une poubelle, ouais. Oh, la déception. Oh, je me suis bien fait avoir là-dessus. On se calme. On reste poli. Sinon, on va recevoir une fessée avec une tronçonneuse. Ok. Donc contrôler l'ascenseur et rechercher la porte rose. Let's check out these elevators. Voilà. Un mort, un. Alright, this is all too surreal. If a little dude in a red cap and blue overalls pops out at me, I'm seriously gonna vomit all over myself. This is great. I'm such a game geek. Alors je pouvais pas descendre avec les ascenseurs. Oh mais venez, 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 venez. Quatre. Yeah. Venez, rassemblez-vous s'il vous plaît. Ah, vous êtes plus que deux. Dommage. Est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Ah, tant pis. J'aurai l'occasion d'avoir d'autres étoiles. Guess I'm into some side scrolling from time to time. Nick, now isn't the time to be talking dirty. Ah oui, d'accord. Parce qu'elle a pensé que pousser le joystick, ça, voilà, ça avait une signification particulière. Coquine, va. D-E-A-D, dead. La classe, Juliette, la classe. On va encore pousser le joystick. Pour gagner du duel de force, remuer le joystick le plus vite possible. Pardon. They say solid colors are slimming. Does my butt look less ginormous when I'm all pink like this? Your butt never looks ginormous, Juliette. C'est gentil. Mais bon, je me répète. Ouais. Juliette avait amorcé la blague. Alors des fois je me répète parce que sans le faire exprès, je parle par-dessus des dialogues. Et il m'arrive au montage des fois de carrément couper ce que j'ai dit pour qu'on entende bien les dialogues. Voilà, pour votre confort. Je fais énormément de traitements audio. Enfin, quand je dis traitement audio, c'est... j'ajuste le niveau du son du jeu, hein. Mais sur ce jeu, je le fais pas mal parce que les voix sont assez faibles, et en fait, je peux pas régler le son des voix indépendamment du reste. En fait, le son des voix est collé au... Enfin, c'est le même réglage que les effets sonores. Donc du coup, je peux pas ajuster le tour entre les effets sonores et les voix. C'est dommage. Donc j'ai perdu du temps. Donc voilà du temps qui va me faire perdre des points à l'arrivée. Parce que je vous parle. Je ne suis pas sérieux. Ok, alors comment je fais pour descendre par contre? Parce que j'ai vu qu'il y avait des trucs tout en bas. En fait, je crois que c'est déjà trop tard. Je crois que je peux plus remonter. Hein. Non, je peux plus faire marche arrière. Hein. C'est dommage. Oui, effectivement, je ne peux plus faire marche arrière. Bon, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Devait y avoir un moyen d'aller tout en bas. Mais bon, c'est trop tard. On va pas pleurer. Ah oui, d'accord. Oh! Quoi?
C'est sérieux? Waouh, mais les zombies avec des pistolets sont surpuissants. C'est de la triche. Et je recommence là. Bon, écoutez, je pense que du coup, on va s'arrêter là parce que j'ai vu qu'il y avait un point de contrôle juste avant. Donc on va juste refaire cette partie-là pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode 7 de Lollipop Chainsaw. Bah du coup, on va peut-être pouvoir descendre, non? Bah peut-être à gauche, tout simplement. Non, bah je sais pas, en fait. Je sais pas du tout. À moins que je puisse descendre uniquement avec l'ascenseur. Non, l'ascenseur. Non, je peux pas le monter, je peux pas le monter. Ok. Donc merci d'avoir suivi cet épisode. Je me répète encore une fois. C'est bête, hein, c'est bête. Donc on se retrouve bientôt pour l'épisode 8 de Lollipop Chainsaw dans ce monde des jeux vidéo. Salut tout le monde, à la prochaine.